Pleurez pas comme ça. Allez, entrez. Je vous fais un petit café et vous me racontez votre vie. Une jolie cicatrice de plus. J'ai pas envie de me marier. Et non, ça se voit. Ça arrive à tout le monde de casser quelque chose. Non, pas moi. C'est la première fois que je fais une connerie pareille. Sur la voiture, tu m'attends? Dis donc, Aline, ça t'ennuie si moi je souris de temps en temps? Aline. Je me demandais depuis longtemps comment pouvait s'appeler une si charmante personne. Vous aviez l'air triste ce matin. Prends la route de Vervik. Pourquoi? S'il te plaît. Et où on va comme ça? Continue, je t'expliquerai. Et prends à droite. Maintenant, arrête-toi. Mmh.
expliquera un jour. J'ai reçu un télégramme ce matin. Et alors? Alors rien, mon père est mort, c'est tout. Il était malade? Comment je pouvais le savoir? Alors c'est un accident? J'en sais rien, je te dis. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu le connaissais même pas. Bien sûr, la mort de ma mère, ça a été dur. Mais finalement, pas tant que ça. À 8 ans, on n'a pas une vraie notion du réel. C'était comme... Je sais pas. C'était comme un gros chagrin, quoi. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Depuis ce matin que t'as ce télégramme. J'en ai parlé à personne. T'as pas envie de me raconter? Je t'ai dit ce que je pouvais. Ce que tu m'as dit ou rien? On n'est pas obligé de tout partager. D'ailleurs, on peut pas. Dommage. Remarque, je t'ai pas attendu, je t'ai tout dit. C'est ça, l'amour, non? Je sais pas. Je t'aime. Je t'ai aimé, à ma façon. À ta façon, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, surtout rien. Si tu trouves que ton attitude est normale... Normal? C'est quoi, normal? Ça veut dire que quand on déteste une bonne femme, on le garde pas pour soi. Je sais pas, moi, on l'insulte. En tout cas, on fait quelque chose. Je la déteste pas, Sylvie Morena. Je l'ignore. La ville. Quoi? Sylvie Laville, pas Morena. Ton père l'a épousée. Ça change rien. Il te ferait remarquer que je l'attaque jamais sur un plan personnel. Jamais. Dommage. Dommage. Oui, 7 ans après, t'as toujours pas digéré les scènes que tu lui as pas faites. Quelles scènes? Toutes. Et surtout la belle, la grande. Celle que vous auriez dû avoir lorsqu'elle t'a foutu dehors. C'est pas elle, c'est mon père. Tu vois? Ça non plus, tu ne me l'avais jamais dit. En tout cas, j'irai pas à l'enterrement. Bonjour, je suis la fille de Monsieur Laville. Ah, c'est vous, Aline? Oui, c'est ça. Je sais que c'est idiot, mais je m'attendais à trouver Nanon. Nanon connaît pas. Moi, c'est Marthe. C'est pas grave. C'est la fille de Monsieur, Madame. Nous nous connaissons, Marthe. C'est bien d'être venu quand même. Comment est-ce arrivé? Le cœur. Il a fait son jogging comme tous les matins et puis son cœur a lâché, il est mort sans souffrance. Je vous laisse. Je l'imagine tellement mal courant dans les rues. Tu sais, en 7 ans, les gens changent. Sûrement. Mais quand même.
temps et pas une lettre. Pas un coup de fil. Juste un chèque pour mon anniversaire que je renvoyais systématiquement. Tu trouves ça très paternel, toi, comme attitude? Qu'est-ce que t'insinues? Rien. Tu mens. Je sais très bien que c'est à elle que tu penses. Tu m'énerves. Je n'ai aucun problème avec elle. D'ailleurs, je n'en ai jamais eu. Le jour où tu regarderas les choses en face, ça se passera peut-être mieux entre nous. Je vois pas le rapport. Je la raccompagne. Il échoue encore? De plus en plus, interminablement. Vous allez trouver des dizaines de poèmes. De l'avis des éditeurs, ces textes ne valaient rien. C'était aussi mon avis. J'ai commis l'erreur de le lui dire, mais il l'a très mal pris. Évidemment. Il a toujours noirci du papier. C'était son plaisir, mais c'était sans prétention. Ne trompez-vous. Il s'était pris au jeu. Il ne voulait plus se contenter d'être un industriel fabricant du fil de fer barbelé. J'ai sans doute été maladroite. Un peu brutale. Il faudrait que vous mettiez un peu d'ordre dans tout cela, je n'en ai pas le courage. C'est votre chambre, je ne voudrais pas être indiscrète. Depuis 4 ans, nous faisions chambre à part. Entre nous, les problèmes de sexe étaient... Ça ne me regarde pas. Vous n'avez pas très faim? Non. Mon père n'a jamais répondu à mes lettres. Pourquoi? Votre père était un homme très entier. Il n'aimait pas les demi-mesures. Je n'ai jamais approuvé son attitude. J'ai très mal supporté votre rupture. Vous savez, je lui ai demandé de vous garder avec nous. Je voulais parler à Aline, mais puisque je vous ai au téléphone, je vous signale que c'est quelqu'un de fragile et qu'en ce moment, elle a besoin d'attention. Écoutez, elle va aussi bien que possible étant donné les circonstances. Et je ne suis pas sûre qu'elle ait besoin d'un chaperon. Évidemment, elle a dû apprendre à s'en passer à partir d'un certain moment de sa vie. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez insinuer, monsieur, mais si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie, dites-le carrément. Écoutez, monsieur, la situation est suffisamment délicate comme ça sans que vous l'envenimiez. Eric, laisse Sylvie tranquille, on a suffisamment bavé avec mon père. D'ailleurs, je dormirai ici ce soir. Salut. Eh ben, dites donc, je vous retrouve. Je pensais que cette façon d'exprimer votre pensée avec une certaine netteté m'était réservée. Mon père me laisse la maison et une part dans le capital de ses affaires. Et elle? L'autre part, elle est majoritaire. Mais c'est normal puisque c'est moi qui ai la maison. Bon,
Finalement, c'était facile de revenir dans cette maison. On dirait que le temps s'est arrêté, que rien ne s'est passé. Ah, merci, c'est sympa pour moi. Idiot, va. En sortant de chez le notaire, elle m'a proposé de m'installer quelques jours avec elle pour régler les problèmes de succession. Qu'est-ce que t'as répondu ? Rien. Je veux réfléchir. C'est ridicule, on habite à 20 minutes de chez elle. Peut-être, mais elle veut pas que je me sente mise à l'écart. Mieux vaut tard que jamais. T'essaies pas plutôt de t'éloigner de moi ? Cesse de toujours tout ramener à toi. Madame n'est pas là ? Elle est au bureau, comme d'habitude. Il faut bien que la vie continue. Elle travaille ? Oui, tous les jours, à l'usine. Il y a longtemps que votre père lui a laissé la direction. Merci, Marthe. Vous m'avez bien dit que mon père ne s'occupait plus de ses affaires. Plus du tout. Ça ne l'intéressait plus. Plus rien l'intéressait sauf le billard et ses écrits. J'aurais une question à vous poser. Une seule ? Est-ce vous qui avez demandé à mon père de renvoyer Nanon, notre vieille gouvernante ? Renvoyer, personne ne l'a renvoyée, elle a pris sa retraite, c'est tout. Et le jardinier ? Il n'avait pas l'âge de la retraite, lui ? Ça, c'est une autre histoire. Je déteste le gaspillage. Je n'y peux rien, j'ai été élevée comme ça. Nous n'avions pas besoin d'un chauffeur et la jardinière, je l'ai fait remarquer à votre père et pour une fois, il m'a écoutée. Pour moi. Pour vous ? Avez-vous été pour quelque chose dans sa décision de m'éloigner d'ici ? Bien sûr. Par ma seule présence. Excusez-moi. Mettons que je n'ai rien dit. Tu t'attaques plus aux Japonais. Dans 2 ans de Noël. Mais pourquoi 2 ans ?
Pas mal, hein? Oui. Ça te fait plaisir, non? Très. J'ai vu plein de traités de botanique dans ses affaires. Je ne savais pas que ça l'intéressait. C'était surtout une façon de penser à vous, je crois. Il vous savait tellement intéressé par vos recherches. Il aurait été content de voir votre nom associé à une grande découverte. C'était son nom aussi. C'est le mien également. Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Cette maison est la vôtre. C'est moi qui vais devoir partir. Maintenant que je vous connais un peu mieux, si vous saviez comme j'ai honte. Il n'y a pas de quoi. Vous vous êtes défendu comme vous pouviez. Quel incroyable voyage. Je comprends la réaction des éditeurs. Ne vous moquez pas. C'était tellement important pour lui. Je l'ai compris trop tard. Oh, c'est pas parce qu'il est mort, je n'ai plus le droit de plaisanter. Au départ, ses poèmes, c'était pour moi. Il l'en cachait tous les soirs sous mon oreiller. De temps en temps, il l'en cachait n'importe où, jusque dans mes chaussures. Je ne pouvais plus les enfiler. Il y avait pas mal d'humour, vous savez. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'en apercevoir. Vous êtes peut-être arrivé trop tard. Je vais vous montrer une cachette. Madame, téléphone pour vous. Excusez-moi. Je prends dans ma chambre, Marthe. Il arrive toujours un moment où le cri de tout être humain profondément blessé doit sortir, même s'il n'atteint pas son tortionnaire. J'écris ce que je ne peux te dire. Je t'ai pardonné la rigidité de ton caractère. Je t'ai pardonné l'idée de la chambre à part. Je t'ai pardonné tout cet argent que régulièrement tu donnes soi-disant à ta nièce. Je t'ai pardonné tes amants, vous deux si insignifiants et si serviles. Je t'ai pardonné le testament que tu m'as fait reprendre 3 fois de suite. Mais ce que je ne te pardonnerai jamais, c'est que tu m'aies obligé à me séparer de ma fille unique en m'enfermant dans l'équation infernale de elle ou moi. Ce que je ne te pardonnerai jamais, c'est d'avoir fait de moi un lâche. Un lâche qui continue à vivre à tes côtés. Un lâche qui n'aura pas le courage de te communiquer cette lettre parce que certains jours tu parviens à me terroriser. Ah oui, me terroriser. Sylvie! Sylvie! Rien. J'ai fait un cauchemar. Un cauchemar? Oui, un éblouissement. Ça va mieux. Je vous laisse? Oui, je préfère. Dites-moi, mademoiselle Laville, j'ai besoin d'un rapport sur votre recherche. C'est en cours, un incident m'a fait perdre du temps, vous aurez bientôt des résultats. Vous avez vu Eric Mallet, il faut que je lui parle. Il doit être en phytopathologie. Merci. Ou dans la salle de culture. Merci. J'ai parlé. Ah ben ça tombe bien, moi aussi. Parce que je te signale que tout le monde attend après tes résultats. T'es pas toute seule ici, ma vieille. En cassant les tubes, tu as bousillé les échantillons sans avoir fait de double. En plus, c'est moi qui ai relancé tes cultures sur des protoplastes. Lis. Cette lettre n'est pas pour toi. C'est à sa femme qu'il écrit. Peut-être, mais c'est dans ma cachette qu'il l'a mise. C'était bien pour que je la lise, non? Mais j'en sais rien. En tout cas, elle dit clairement que c'est elle qui a voulu que je parte. Et maintenant, elle me fait des grands sourires, cette salope. Calme-toi. Tu l'as lue, cette lettre?
Tu te rends compte dans quel état de désespoir il en était pour écrire ça? Écoute, je sais que c'est pas évident pour toi, mais il est mort maintenant. Non. Tant qu'il était vivant, je pouvais espérer que ça allait s'arranger. J'avais du temps. Il est mort désespéré. Et moi, j'ai rien fait pour lui. Et maintenant, tu veux que je continue à faire joujou avec des éprouvettes? Aline. Salut. Passe-moi les clés, j'ai besoin de la voiture. Où vas-tu? Fouiller dans mes souvenirs. Elle est tout autre par ça. Merci. Mademoiselle, à quelle heure le train pour Paris, s'il vous plaît? Ça fait une heure que j'attends. Elle n'est pas aimable, celle-là? Elle n'est pas aimable. Aline, tu es venue me voir. Comme c'est gentil, ça fait longtemps que tu n'étais pas venue. Tu sais, je n'en ai plus pour longtemps. Mais si, voyons, dis pas de bêtises. Rester assis là toute la journée, je m'ennuie. Ils sont gentils ici, mais je m'ennuie. Comme tu es belle. Tu es heureuse? Tu as des enfants? Non, pas encore. Tu as raison. Profite de la vie, ma chérie. Et ton travail, ça va? Ça va. Tu étais si sérieuse. C'est ton père qui était fier. Il est mort, Nanon. Il est venu hier me voir. Et on a parlé de toi. Quand je lui dis que tu viens me voir, oh, ça lui fait plaisir. Il est pas heureux, tu sais. Ça se voit. Il a toujours regretté ton départ. Il est mort, Nanon. C'est le cœur. Comme j'ai pleuré le jour où ta mère est morte. C'était trop injuste. Toi, si petite, et ton père si triste. Mais l'autre, elle était comment avec lui? Tu l'aimais pas beaucoup, mais lui, il était fou d'elle. Il ne voyait même plus comme tu étais. Malheureuse. Maintenant, ça va. Tu as l'air heureux. Non, toujours pas. Mais je vis avec un garçon. Ah, de mon temps, ça ne se faisait pas. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance, tout ça. On a raison. Tu me l'emmèneras avec tes enfants. J'ai pas d'enfants, tu sais bien. Ça me rassure, parce que enfant de la colle, enfant du démon. Tu sais quelque chose, Nanon? Je veux dire que ton père, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Oui, parce que nous, les gens de maison, on dit rien, mais on voit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as vu? Des choses. Son manège avec les hommes, par exemple.
D'ailleurs, ton père le sait bien, ça j'en suis sûre. Comment tu les connaissais? Mais elle les emmenait à la maison. Et ça, sans vergogne. Du temps de ta maman, les invités, c'était autre chose. Toujours un mot gentil. Mais les siens, rien qu'à leur figure, on sait déjà pourquoi ils sont là. Toujours le même genre, le même physique. Il y en a eu beaucoup. Deux. Mais maintenant, j'en sais rien. J'ai quitté la maison maintenant. Mais ton père, il doit le savoir, triste comme il est. Fais-moi un dernier plaisir. Redevenez Harry. Il a besoin de toi. Mais maman... Quand il vient, il me parle de toi et de tous ses soucis. Avec son cœur fragile. C'est pas bon, ça. Il peut partir bientôt, lui aussi. J'irai. Je te le promets. Fatigué. Tu veux un coup de main? Non, ça va. Merci. Tu vas voir, tu vas réussir. Et puis, dès que tu as des résultats sur la résistance de l'épicéa... Je crois que je vais aller habiter chez elle pendant quelque temps. Chez qui? Le pape. J'espère que je serai encore là quand tu reviendras. Moi aussi. Mais il faut que je sache. Je vous laisse ce traitement encore une semaine, mais après, c'est fini. Croyez-moi, mangez convenablement, essayez de dormir et tout ira bien. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Et je ne vous dis pas bientôt. Je peux quand même vous téléphoner. Téléphonez, téléphonez, ça vous soulagera. Mademoiselle, c'est à vous. Pour ce pauvre Jean. Ça a dû beaucoup te toucher. Un prix? Bah, tu sais, on ne se voyait plus depuis son mariage, et plus du tout après son infarctus. Il a fait un infarctus? Il y a 2 ans. Mais il t'avait pas prévenu. Je savais que vous ne vous voyiez plus, mais à ce point-là... Enfin... Après cet infarctus, j'ai eu l'impression qu'ils avaient perdu confiance en moi. Elle a préféré le faire suivre par un cardiologue. Un vrai.
C'est elle qui l'a voulu? Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Et toi, comment vas-tu? Tu es superbe, dis donc. Hein? Si je te faisais sauter sur mes genoux aujourd'hui, qu'est-ce que les gens penseraient, hein? Mais alors, qui a délivré le permis d'inhumer? Je croyais que c'était vous. Eh non, ce n'est pas moi. Oh, dans l'état de nécrose où était son cœur, de toute façon. C'est à cause d'elle que vous avez cessé de vous voir? En partie. Si on... Je comprends. Merci, à demain. Au revoir, madame. J'ai décidé d'accepter votre invitation. Je me suis installée dans ma chambre. J'en suis ravie. J'avais justement envie de sortir ce soir. Vous voyez? Je l'avais pressenti. Alors on se fait un petit resto entre filles. Avec plaisir. C'est moi qui invite. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Cette façon de vous parfumer point oui, point non. Est-ce que ça pouvait m'énerver? Je vous appelle. Vous vous parfumez comme ça partout? Je me le suis toujours demandé. Vous êtes horrible. Il serait tellement heureux de nous voir ensemble. Vous en êtes sûre? Quel argument a-t-il employé pour vous convaincre? Comment a-t-il pu m'envoyer comme ça? Avec son caractère, c'est un sujet qu'il était exclu d'aborder. Puis vous savez, moi, je n'ai pas fait d'études. Et la psychologie, ça me dépasse un peu. Vous vous sous-estimez. Vous saviez qu'il avait le cœur malade? Non, pas du tout. Vous avez une jolie robe. Oui. C'était une robe de ma mère. Très bien, docteur. Merci. À 17h demain, au revoir. Je vous répète que cet examen est parfaitement normal. Et que nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables d'un accident. Le médecin qui a délivré le permis d'inhumer l'a parfaitement compris, d'ailleurs. Comme madame Laville. Vous m'étonnez. C'est pourtant la vérité, mademoiselle. Puis écoutez, si vous avez envie de m'attaquer en justice, faites-le. Enfin, sachez que nous ne sommes pas aux États-Unis. Et je doute qu'un avocat... Je n'ai aucune intention de vous attaquer. Vous ne m'intéressez pas, vous. C'est elle qui m'intéresse. Et ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle a laissé mon père subir un test d'effort ce jour-là et pourquoi personne ne m'en a parlé jusqu'à aujourd'hui.
regardez ces poèmes, c'est encore pire que les autres. Excusez-moi. Ah tiens, ça c'est pour vous. Ce pauvre Jean, il était devenu complètement fou. Effectivement, c'est dur pour vous. Ce que je ne te pardonnerai jamais, c'est que tu m'aies obligée à me séparer de ma fille unique en m'enfermant dans l'équation infernale de elle ou moi. Vos versions sont différentes. Effectivement. Je ne voulais pas vous révéler à quel point votre père était mentalement atteint. J'en ai suffisamment souffert. Il y a pourtant une chose vraie là-dedans. Ça ne vous regarde pas, mais je vais vous le dire. J'ai trompé Jean. Quand il l'a su, il a semblé indifférent. Étant donné l'état de nos relations, je l'ai cru. Cette lettre prouve que j'ai eu tort. Pour le reste, croyez ce que vous voulez. C'est un peu facile comme défense, non? Et comme accusation? Laisser traîner cette lettre pour m'accuser sans me laisser la possibilité de me justifier, vous trouvez ça comment, vous? Je sais pas. Je lui ai demandé de vous garder avec nous. Je voudrais que vous me croyiez. J'étais si heureuse quand je suis arrivée ici. Je me faisais une fête de vous connaître. Il m'avait tellement parlé de vous. J'en voulais pas de votre complicité. Plus vous étiez gentille avec moi, et plus je vous haïssais. Ça, je m'en suis aperçue. Merci. Si tu avais vu son sourire quand elle mentait. Incroyable. Une bonne femme qui a un tel aplomb est capable de tout. J'ai tout essayé. Impossible de l'atteindre. Elle est vachement forte. Pendant qu'elle lisait, je l'ai surveillée. Elle n'a pas bronché. J'avais l'impression que tous ses reproches, papa les lui avait déjà fait. Elle est monstrueuse. Et vas-y, dis tout de suite qu'elle a tué ton père. Oui, c'est ça. Tu as raison, elle l'a tué. C'est ce que je cherchais. C'est ce que m'a dit Nanon. C'est ce que me dit mon père dans cette lettre. Il était pas fou du tout. Il avait peur. Mais t'es complètement dingue. Je disais ça comme ça. Pas du tout. Toutes les preuves sont là. Et comment elle l'a tué, s'il te plaît? Arsenic, revolver? Le cœur. Elle savait qu'il avait le cœur fragile. Elle l'a poussé à subir un test d'effort ce jour-là, sans prévenir le médecin. Tu n'as aucune preuve. Prends un avocat. Fais casser le testament en jouant l'irresponsabilité. Mais c'est pas le testament qui m'intéresse, c'est mon père! Quand je t'ai dit qu'il était fou, tu t'es moqué de moi. Et maintenant, tu me le resserres parce que ça t'arrange. Merci, Eric. Tu m'es d'un grand secours. Et voilà. Quoi que je fasse... Oui, quoi que tu fasses. Le problème avec toi, c'est que tu fais toujours la même chose. Mais j'ai envie d'être heureux, moi. Merde, à la fin. C'est pas compliqué, si? Si. Ton bonheur à toi, c'est de baisser les bras, pas moi. T'es sûr de toi? Ok, oui. Allons voir les flics. On verra bien si je mets les bras. Je commence à le voir jusque-là. De me faire engueuler sans arrêt. Allez, vas-y. Bon alors, si j'ai bien compris, premièrement, votre père se remarie. Deuxièmement, sa femme vous chasse. Troisièmement, elle lui soutire de l'argent pour entretenir ses amants. Quatrièmement, elle fait modifier le testament en sa faveur. Et cinquièmement, elle le tue. C'est un raccourci, mais c'est à peu près ça, oui. Eh bien, je vais vous dire ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est très simple. Rien. Mais c'est elle qui l'a tué. Vous avez aucune preuve. Et la torture morale. Et le désespoir. Vous en faites quoi? Là, nous sommes dans le domaine de la psychologie, mademoiselle. Et je suis navrée, c'est un article que nous n'avons pas dans nos rayons. Elle a transformé sa vie en enfer. Et vous restez là sans broncher? Vous gargarisez avec votre humour débile? Le divorce, ça existe, et puis... Vous se retrouvez seule, une fois de plus? Pourquoi seule? Vous n'étiez pas là? Merci, monsieur.
Je vous remercie. Quel con, ils ont rien voulu savoir. Tu vois, j'avais raison. J'en resterai pas là. Tu crois pas que t'es assez esquinté comme ça? Je peux pas laisser tomber. Y a que moi qui y crois. Calme-toi. Allez, on oublie tout ça. J'ai envie de toi. Oh, c'est pas le moment. C'est jamais le moment. Écoute, je suis désolée si je ne te satisfais pas, mais c'est comme ça. Y a des tas de filles qui se... Je t'ai jamais rien reproché. Évidemment. Les demi-mesures, ça te suffit pas, moi. Je sais pas comment je me démerde, mais ça me tombe toujours dessus. Pas qu'on rentre tous les deux à la maison. Non. Pas avant qu'elle ait payé pour la mort de mon père. N'appuyez pas. Vous avez tué mon père. Je ne dirais pas le contraire. Vous êtes un monstre. Et vous avez tenté de me défigurer, non? Oui, mais moi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Quel genre de femme êtes-vous donc? Une femme très ordinaire. Parce que toutes les femmes tuent leur mari. Je l'ai juste poussé à le faire lui-même. Je vous le ferai payer, vous serez condamné. On n'aurait aucune preuve. Ou alors il faudrait juger la moitié des femmes de ce pays. Essayez d'admettre ce qu'il était devenu, vous me comprendriez. Un homme qui veut en finir avec la vie, qui n'a même pas le courage d'aller jusqu'au bout. Je l'ai juste poussé à se défier lui-même une dernière fois et il l'a fait. Dites-moi qu'il aurait dû vous remercier de l'avoir tué et de m'avoir éloigné de lui aussi tant que vous y êtes. Je n'irai pas jusque-là. Je tuerai. Je tuerai. N'oubliez pas que je pourrais porter plainte pour tentative de meurtre. C'est bien joli de l'idéaliser. Mais que saviez-vous de lui? Ses poèmes, vous, son mariage avec moi, une accumulation de ratages. Tout en lui était déjà mort.
Enfin, non. Il y avait deux choses qui étaient bien vivantes. Son mépris et sa tristesse. Une tristesse visqueuse, obsédante, contagieuse. Il était là, accroché à son billard au centre de cette maison que je déteste, comme une araignée au centre de sa toile. À chacun de mes pas, je butais contre cette tristesse. Tout ce que j'aime, moi, c'est ma joie de vivre. Il fallait que je me défende. Si je vous avais parlé plus tôt, nous n'en serions pas là. La vie ne nous a pas fait de cadeau à toutes les deux. Pardonnez-moi, Aline. Cessons de nous déchirer. Ok. Cessons. Fatigué. Pas grave. Demain alors. Si tu veux, ouais. Mais tu viens à la maison. Sylvie a envie de te connaître. Ah bon? T'es pas obligé, hein. Non, mais depuis que j'en entends parler, je serais ravie de juger sur pièce. Je suis Eric Mallet. Merci, Marthe. Aline n'est pas là? Non, elle n'est pas encore rentrée. Je suis son... Oui, je sais. Merci. Je vais trouver un vase pour ce splendide bouquet. Installez-vous. Merci. Nous dînerons quand Aline rentrera. Après tout, vous êtes un peu ici chez vous. Marthe, trouvez un vase pour ces fleurs choisies par un spécialiste et ajoutez un couvert. Bien, madame. Bonsoir. Nous avons un invité. Ah, Eric. Il avait très envie de vous rencontrer. Je vous avais pas prévenu? Non, je ne crois pas. Excusez-moi. Il va vous falloir bientôt prendre une décision. Car je crois que j'ai enfin trouvé l'appartement de mes rêves. C'est pas pressé. N'est-ce pas, Eric? Ah non. Rien de presse. Quel enthousiasme. Remarquez, je vous comprends, il y a un tel fouillis dans cette maison. Je suis ravie de la quitter. Vous voulez peut-être la visiter pour vous rendre compte? Non, merci, je n'y tiens pas. De toute façon, je n'y connais rien en vieillerie. Ni en souvenir, d'ailleurs, n'est-ce pas, Aline? Ce que j'aime chez Eric, c'est son manque total d'hypocrisie. Vous voyez, quand il fait la gueule, lui, au moins, ça se remarque. Et pourquoi fait-il la gueule, ce jeune homme? Le plus simple serait peut-être de les lui demander. Eric, Sylvie voudrait savoir pourquoi tu fais la gueule. Excusez-moi.
Je viens de me souvenir d'un rendez-vous très important. Je vous laisse. Amusez-vous bien toutes les deux. On a peut-être été un peu trop loin, non? Peut-être. Vous êtes bien foutu, Meg. Oh, écoute, y'a pas de quoi en faire un drame. Ça vous apporte une tasse, succombé à son charme? Pas du tout. Excusez-moi. Ce que je voulais, c'est que tu la séduises. Et qu'après, tu la fasses souffrir. Comme elle avait souffrir mon père. Moi, j'aurais observé. Et là, j'aurais été heureuse. Maintenant, c'est foutu. Avec toi, elle se méfiera. Mais t'aurais quand même pu me prévenir, non? Comment veux-tu que je te suive avec toutes tes combines? Y'a pas de combines! Je sais très bien ce que je fais. Je me suis plantée en essayant de la voir de face, mais maintenant c'est de l'intérieur que je vais l'atteindre. Je reprends tout à zéro. Comme pour une recherche en labo. Quand on est dans une impasse, le but est toujours le même. Mais on change d'approche. C'est exactement ce que je vais faire. Je me vengerai. Mais autrement. Et c'est pour ça que j'avais besoin de toi. Mais t'as été en dessous de tout! Je suis peut-être con, mais je comprends rien. J'en peux plus, Aline. Je t'aime, mais c'est plus possible. Tu m'aimes? Mais t'es incapable de te mouiller pour moi. T'attends que je me démerde toute seule. Puisque c'est ce que tu veux, c'est ce que je vais faire. Mais viens pas me faire de reproches après. Tant pis pour toi. Je me débrouillerai avec un autre cobaye. Je trouverai un autre type. Et s'il le faut, j'irai jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Je lui souhaite bien du plaisir. C'est pour le boulot que vous engueulez? Non, malheureusement, c'est pas pour nous. Ses implants lui suffisent plus. Elle a grandi son champ d'investigation. Elle veut travailler in vivo. C'est con, ça. Si Aline se tire, on perd une de nos meilleures chercheuses. Elle rentre chez qui? T'inquiète pas. Elle nous fera pas concurrence. Hé, hey, Aline! Alors, je vous lave ce café? Patrick Aline, Aline. Quand ça lui prend, quand il y a sa crise, on cuisine les petits plats. Et votre maman aussi? Ah oui. Ah ouais. Non, pas vraiment. Les mots fléchés. Le carton pour les genoux. Ça va? Ah, c'était le deuxième. Enfin, je le crois. Ils se ressemblaient tellement. Mais c'est difficile à dire, surtout avec mes yeux. Regarde bien, Nanon. Tu trouves pas qu'ils me ressemblent? Il y a comme un air. On dirait qu'ils ressemblent plus au premier. Ça alors? Le dernier compagnon de mon père. Un Cavarini. Superbe. Vraiment? Je n'y connais rien. Une très belle pièce. Un Cavarini, sans aucun doute. Et authentique. À quoi voyez-vous cela? Les bois, les assemblages. On ferait plus comme ça de nos jours. Même une belle copie. Le tapis aussi est très vieux. C'est certain. Mon mari l'a fait remplacer dans les années 50. 1950. Dans ce cas, c'est une imitation superbe. Je vous faisais marcher. Et
Les pièges féminins sont aussi dangereux que le choc des boules. Alors, l'ai-je bien descendu? Ça a été parfait. Si j'ai bien compris, l'expertise était double. Je n'ai jamais dit qu'elle serait simple. Pas maintenant. Plus tard, peut-être. Salut. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance? Je ne sais pas. En tous les cas, il est charmant. Et très raffiné. Comment l'avez-vous rencontré? Il a une boutique près du labo. Vous voulez sa carte? Pourquoi pas? Il a des très jolies choses. Avec ce nouvel appartement que je vais devoir aménager. Construit des dizaines de fois le même bâtiment, vous finissez par vous lasser. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, comme j'aimais beaucoup les greniers, je suis devenu brocanteur. Mais ça va pas avec mon physique. Il faudrait que je trouve autre chose. Voyons, quel métier irait avec votre physique? J'ai jamais trouvé. C'est bien là où est le problème. Très joli, ça. Vous détonnez complètement dans ce Capharnaüm. Oh, ce petit meuble-là, qu'est-ce qu'il est sympa! Je verrais bien ça dans mon entrée. Vous me faites un prix? Toutes les mêmes, hein? Comment résister? Ne résistez pas. Elle d'abord. Attention à ce que vous dites. Je passe le week-end avec elle. Je vais vous laisser seule 2 jours. Et je me sens coupable. Pourtant, faut vraiment que j'aille à ce séminaire. Faites attention, c'est peut-être votre instinct maternel qui fait surface. Moquez-vous de moi. Bon week-end. Oui, oui. Enfin, bon séminaire. Je t'ai rock, un rock, a boy rocker, and a rock.
Mmh. Il fallait ça, hein? Ah oui. Ah, il fallait au moins. Bien sûr. J'en ai plein les doigts. Mission accomplie. Elle a l'air folle de bonheur. Vous ne croyez pas que je me suis donné tout ce mal pour la rendre heureuse? Bravo pour votre performance personnelle. Mais désolée, pour moi, le but n'est pas encore atteint. Par contre, on peut envisager de passer à la deuxième phase de l'expérimentation. L'état de manque. L'absence. Nous profiterons du déménagement pour ça. Vous n'emmenez pas votre service? Non, j'en ai déjà un complet, puis celui-ci avait été choisi par votre père. C'est mieux qu'il reste dans cette maison. Comme vous voulez. Mais pour moi, il reste à vous. Disons que ce sera mon cadeau de départ. Madame, c'est les déménageurs. Bonjour, monsieur. Par ici, messieurs. On commence à l'étage. Vous avez l'air contrarié. Non, non. Pas vraiment. J'attendais un ami qui devait venir nous aider. Je ne comprends pas, il est déjà plus de 10 heures, il n'est pas encore là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Vous savez, c'est l'antiquaire. Nous nous sommes rapprochés, disons. J'espère que je ne vous choque pas. Pensez-vous. Vous avez bien raison. C'est un homme très raffiné. Je me demandais si j'allais vous en parler. Voilà, c'est fait. Tu vois, ça a très bien marché, le coup du déménagement. Et toi qui y croyais pas. Je peux t'assurer que ça a marqué. Regarde pas comme ça. Tu me mets mal à l'aise. Tu es tellement jeune. Rien que d'être avec toi. Puisque le contrat est rempli maintenant... Elle était seulement un peu inquiète. Mais avec le talent que tu as, je suis sûre que nous pourrons faire beaucoup mieux. J'aimerais mieux m'en tenir là. Je me sens pas très à l'aise dans ce rôle de vengeur masqué. Trop tard. Il ne croit pas t'en tirer si facilement. Si tu laisses tomber, je lui dis tout. Tu n'auras ni l'une ni l'autre. Les deux ou pas du tout. Tu as le choix. Oh, je respire enfin. Tu peux pas savoir comme c'était dur de vivre toujours sous son regard. Je me sens tellement bien ici. Avec toi. Quand je pense qu'elle a voulu me vitrioler,
Enfin, tout ça c'est fini. Si on faisait une grande fête pour te présenter à tout le monde. C'est peut-être un peu prématuré. Non? On appellera ça une pendaison de crémaillère. Pour ne pas heurter ta délicatesse. Mmh. Oups là. Oh, oh, toi tu sais, toi tu sais. Attends. Je laisse tomber. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, je m'en sortirai. Elle est très amoureuse. Moi aussi, peut-être. Elle m'a offert un poste dans son usine. Une jolie voiture. Je me sens trop dégueulasse. Tu peux pas laisser tomber. Tu es allé trop loin. Un contrat, c'est un contrat. C'est toi que tu vas trop loin. C'est vrai que j'avais très envie de vivre une grande aventure avec toi et que j'aurais fait n'importe quoi pour avoir ta jolie petite frimousse. J'ai 50 ans. Et à mon âge, j'ai plus besoin de sécurité que de passion. Très bien. Tu veux pas aller jusqu'au bout de ton contrat? Mais moi, je t'offre quand même d'aller jusqu'au bout du mien. Bonsoir, cher ami. Vous allez bien? Bien. Je suis très heureuse de vous recevoir. Marie-Hélène.
Bonsoir, Paul. Qui est-ce? La belle-fille de Sylvie. Ah, pour une belle-fille, elle est pas mal. Vous amusez bien? Comme une folle, belle maman. Tant mieux. Non, tu arrêtes ton numéro, ça suffit comme ça. Bien, mon papa. Maintenant, t'as le choix. Ou tu viens avec moi, ou je fais un scandale et je dis tout. Où tu vas? Je la raccompagne. Bonsoir. Alors, on va chez toi ou chez moi? Chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'as assez fait chier. Maintenant, je sais plus où j'en suis. T'as gagné, je me casse. Ça c'est vrai, j'ai tout remorqué après. Et j'ai plus l'armée. On m'a pas fait un téléphone et dit il y a un des soldats armés et j'ai tout démonté. Ah, écoute, là, les... Et on peut plus? Non. Pas plus? Ça sort. Ah, ça fait là, tout. Ah bon? Non, mais à part ça, tout va bien. Ah, bon, c'est bien. Il y a de la chance, hein.
Non, ça, c'est de cocu. Et la maman me dit la chose. La maman me dit la chose. Et si je reprends les... Où est Paul? C'est fini, Sylvie, vous ne l'aurez plus. Vous n'aurez plus aucun homme, d'ailleurs. Parce que je serai toujours là. Pour vous les piquer, les uns après les autres. Systématiquement. Parce que je suis jeune et que vous vous êtes vieille. Où est Paul? Je veux le voir. C'est fini. Il est parti. Pour toujours. Comme mon père! C'était la femme de mon père, le cœur s'exemplaire, qui ne savait pas que je reviendrais. C'était un bon petit déjeuner que je prendrais seul. Je peux entrer? J'espère que je ne vous dérange pas, au moins. J'ai oublié de vous rendre vos clés. C'était pas bien grave. Faudra changer ce téléphone. En fait, les clés, c'était un prétexte. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quand je suis rentrée chez moi tout à l'heure, Paul était là. Il m'attendait. Vous mentez. Vous ne me croyez pas? Regardez. Paul m'a tout raconté. Je tenais à vous remercier. J'ignorais à quel point vous aviez éveillé sur notre rencontre. Il m'a demandé de l'épouser. Il a beaucoup assisté. J'espère que vous assisterez à la cérémonie. Paul et moi y tenons beaucoup. Vous n'avez aucune pudeur. Quand on est vieille, comme vous dites, il faut être prête à faire certaines concessions pour obtenir ce qu'on veut. J'espère que vous comprendrez ça plus tard. Je vous le souhaite, sincèrement.